Ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum UberZone. Toujours sur le thème des dashcams, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter cette Blackview DR750X toute channel 4G LTE+. C'est vrai que l'intitulé est très long, mais je vais vous expliquer ça en détail. Donc déjà, toute channel, ça veut dire qu'elle a deux sources d'enregistrement. Elle enregistre depuis la caméra avant et une deuxième caméra pour filmer l'intérieur de votre habitacle. Elle est 4G LTE parce qu'elle permet justement d'insérer une carte SIM d'un opérateur téléphonique afin de pouvoir enregistrer vos vidéos sur un cloud et donc sauvegarder ça de façon pérenne et sûre, même si quelqu'un s'amuserait à vous subtiliser la dashcam. De plus, cette fonction 4G LTE permet de partager une connexion internet dans votre habitacle, ce qui peut être intéressant si vous voulez proposer cela à vos clients. Pour vous faire un sommaire rapide de cette vidéo, on va dans un premier temps déballer cette boîte dans l'habitacle du véhicule. On va ensuite procéder à une installation propre et professionnelle en cachant bien les câbles en faisant un raccordement définitif. Et pour finir, j'irai tester cette dashcam en situation sur route, de jour comme de nuit, pour voir la qualité des vidéos produites par ce joli produit. Alors pour une dashcam d'exception, un véhicule d'exception. C'est dans ce véhicule là que je vais installer, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas le mien, au cas où certains auraient une imagination débordante concernant le fondateur du forum UberZone. A tout de suite dans l'habitacle pour l'unboxing et l'installation. Alors, on a ici la dashcam principale. Donc ici à l'arrière, un bouton pour le Wi-Fi, la connectique pour l'alimentation, un bouton pour formater et une connectique ici pour une caméra arrière. Ici, la petite languette open. Si j'enlève le capuchon ici, je peux loger ma carte SD. Donc on voit bien quand même que c'est une finition assez solide, vraiment très solide. On a ici la deuxième caméra, mais c'est pas la caméra arrière, c'est la caméra pour l'habitacle. Donc vous pouvez parfaitement positionner cette caméra là bien derrière le rétro pour bien la cacher. Ça, c'est la caméra avant. Et la caméra qui filme l'habitacle, celle-là, vous pouvez la décaler un peu plus sur la droite, par exemple. Ou inversement, la petite, vous la mettez ici, bien sous le rétro. Et celle-là qui va filmer l'avant, on peut très bien la mettre un peu plus en haut ici, cachée derrière le rétroviseur, parce qu'elle est quand même beaucoup plus imposante. Vous avez la notice et un guide ici pour l'activation, le guide d'activation de la carte SIM. Sûrement ici, on a les connectiques. Le fil de raccordement pour la caméra supplémentaire. Et là, c'est le cordon d'alimentation pour se brancher directement à l'allume-cigare avec une certaine longueur de fil suffisante pour justement cacher vos fils dans les garnitures de l'habitacle. Donc la petite baguette en plastique pour pouvoir justement agir sur votre garniture sans abîmer. Ça, c'est un outil très important lorsqu'on installe une dashcam dans un habitacle. Les stickers supplémentaires, si un jour vous êtes amené à changer la dashcam, vous avez des stickers en plus. Une petite pièce ici pour, ça ressemble aux petites pièces qu'on utilise pour sortir les cartes SIM des téléphones. La clé USB, ici Blackview, pour insérer directement votre micro SD, donc c'est un adaptateur USB pour pouvoir se brancher directement à votre ordinateur avec votre micro SD. Donc la carte micro SD de 32 Go. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Blackview vend des batteries externes spéciales pour dashcam que vous pouvez mettre dans votre boîte à gants par exemple, et vous pouvez aller vous raccorder directement à cette batterie externe plutôt que d'aller chercher une source d'alimentation dans le véhicule. Ce qui permet aussi que la dashcam puisse continuer à enregistrer même quand vous quittez le véhicule, et elle ne puisera jamais l'énergie donc du coup sur votre batterie de véhicule. La batterie externe, elle se recharge automatiquement quand vous conduisez, puisqu'elle est alimentée justement par l'allume-cigare. Du coup, quand vous conduisez, cette batterie se recharge, et quand le moteur est coupé, ben, vous allez utiliser l'autonomie de la batterie externe
pour pouvoir alimenter votre dashcam. Je vous mets dans la description les liens vers ces batteries externes proposées par Blackview et qui donnent vraiment de très grandes autonomies et qui facilitent grandement aussi l'installation, ce qui vous évite d'aller chercher justement votre boîte à fusibles ou de devoir acheter des kits de raccordement spéciaux pour aller se raccorder à la boîte à fusibles ou à la prise OBD par exemple, comme le proposent d'autres marques de dashcam. Donc concernant la carte SIM de cette Blackview, vous avez ici un bouton lock, vous maintenez appuyé et vous tirez, donc c'est comme ça que vous retirez la dashcam de son support. Vous pouvez laisser le support et repartir avec votre dashcam tranquillement. Et vous avez aussi ce petit pin ici pour éjecter votre carte SIM qui se trouve à l'intérieur. Donc là, si j'appuie comme sur un iPhone, voilà, c'est là que vous logez votre carte SIM de votre opérateur. Pareil, on appuie sur le bouton lock pour remettre le support à sa place. On va tester la dashcam en branchement direct d'abord sur l'allume-cigare pour voir un peu comment elle réagit et comment elle fonctionne. Et ensuite, on procédera au passage des câbles proprement dans les garnitures du véhicule. Donc, j'ai installé l'application Blackview. Dashcam Blackview. Donc là, on a la possibilité de rajouter une dashcam. Je branche la dashcam. Mets le contact. Voilà, le voyant s'allume. Donc la dashcam elle nous parle. Donc là on va lui mettre la carte de 32 gigas puisqu'il insiste. Voilà. Et je la rebranche. Elle se rallume, les voyants. Très bien, donc elle réinitialise la micro SD, elle la formate. Blackview pour la sécurité de votre conduite. Démarrage de l'enregistrement normal. Ben ça y est, le voyant rouge REC ici est allumé. Donc elle commence déjà à enregistrer. Je rebascule sur l'application Dashcam Blackview. Je fais plus. Voilà, donc là la dashcam me demande d'insérer une carte SIM pour profiter de la 4G LTE. On va d'abord commencer par passer sur un modèle Wi-Fi direct uniquement. On va mettre ça. Prochain. Connectez votre téléphone à la caméra. Donc là, le mot de passe Wi-Fi se trouve sur la dashcam directement. Vous retirez le support. Et là, vous avez PW Password. C'est normal, je viens de la débrancher. Donc le mot de passe, il est là. Je tape le mot de passe. Blackview, pour la sécurité de votre conduite. N. Démarrage. Se connecter. Veuillez insérer une carte SIM. On va s'en occuper tout à l'heure de la carte SIM. Une chose après l'autre. Voilà. Maintenant, je lance l'appli. Continuer, puisque je suis connecté au Wi-Fi. La caméra a été vérifiée avec succès. Continuer. Prochain. Connectez votre caméra à Blackview Cloud. Ok, donc enregistrer. Autoriser l'application, accéder aux données GPS, autoriser. Voilà. Méthode de connexion au cloud. Donc là, j'ai deux options. Soit je me connecte à une borne Wi-Fi. Donc, si c'est une borne Wi-Fi qui est chez vous, ben, chaque fois que vous vous déplacerez, vous vous éloignerez de cette borne, ben, vous ne pourrez plus avoir de connexion et donc plus enregistrer sur le cloud. Mais si c'est une borne Wi-Fi qui est constamment présente avec vous, là, il n'y aura pas de problème. Par exemple, le propriétaire de ce véhicule a du Wi-Fi intégré à sa Porsche. Donc là, on peut très bien utiliser cette option. Mais pour celui qui veut vraiment utiliser la carte SIM, là, c'est le moment de pouvoir avoir la proximité permanente et l'enregistrement permanent sur le cloud. On va mettre carte SIM et on va tester avec notre carte. Donc, prochain. Blackview veut se rejoindre le réseau Wi-Fi. Rejoindre. Voilà, built-in SIM card reader. Donc c'est là qu'on me demande de rajouter la carte SIM dans la dashcam ou pour ceux qui n'ont pas le logement SIM intégré, Blackview vend des boîtiers 4G séparés. Donc nous, on va directement mettre notre carte SIM ici. Ok, allez, j'enlève le logement. Je mets ma puce.
Donc maintenant que la SIM est insérée, je clique sur OK. Méthode de connexion, on va dire donc carte SIM, prochain. Et là, l'opérateur réseau, activation de la carte SIM. OK, alors on me demande l'APN, le nom de point d'accès, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour ma carte Orange, ils sont ici, c'est facile, c'est Orange, Orange, Orange. Donc on va taper tout ça, Orange, nom d'utilisateur, Orange. Donc il faut voir avec chaque opérateur quels sont ces différents identifiants. Orange. Fini. Voilà, après avoir tapé les identifiants de ma carte SIM Orange, j'ai ce message, félicitations. Vous pouvez désormais accéder à votre caméra via le cloud. OK. On peut afficher un live view de la caméra en temps réel. Donc là, c'est le cas. Ça filme en direct. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Playback. Ça, c'est tous les enregistrements qui ont été faits depuis que je manipule la caméra et qu'elle est branchée. Donc, vous voyez, normal, c'est des enregistrements classiques. Et event, impact de conduite. Donc, c'est sûrement quand j'ai fait bouger la caméra brusquement qu'il a considéré ça comme des impacts. Et c'est le même type d'événement que vous aurez quand votre véhicule sera stationné, à condition d'être alimenté en permanence. Donc là, on a accès à toutes les vidéos qui ont été enregistrées, restées en Wi-Fi, qui ont été enregistrées par la BlackView. Les vidéos téléchargées, downloaded vidéos, ici on n'en a aucune, donc ça veut dire que parmi toutes les vidéos qui sont dans Playback ici, si on veut en récupérer une, voilà, trois petits points à côté, download, ça me permet d'enregistrer et de sauvegarder cette vidéo de façon définitive. Éviter l'écrasement justement sur ma carte SD. Là, en haut, vous avez la possibilité de basculer entre cloud. Si vous quittez la page de la caméra, la connexion avec la caméra est coupée, voulez-vous conserver la connexion? Donc, vous êtes obligé de vous déconnecter du Wi-Fi, de liaison directe, et vous allez basculer sur le cloud. Donc, c'est ici que on va maintenir la connexion. C'est ici que vous passez, que vous alternez entre cloud et Wi-Fi. Le petit engrenage ici vous permet de faire des réglages sur votre dashcam, tout ce qui concerne le cloud, des réglages, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc chaque propriétaire de cette dashcam pourra rentrer et voir ça bien plus en détail. Ah, ce que je voulais voir aussi, c'est que vous avez aussi les données GPS de tous les enregistrements que vous avez fait. Alors, dans les réglages ici, dans cloud, activer le cloud, il est activé, donc on peut le désactiver. Partage de paramètres de connexion au cloud. Voilà, c'est ici que vous pouvez créer des hotspots. Jusqu'à 3 hotspots. Votre dashcam va se comporter comme une borne Wi-Fi pour le partage. C'est ici que vous allez créer l'identifiant SSID de votre borne Wi-Fi et le mot de passe. Et c'est cela qu'il faudra communiquer à vos clients, par exemple, et vous pourrez sauvegarder donc jusqu'à 3 hotspots. Voilà. Ici, vous remarquez Free Plan 1 sur 1. Donc ça, c'est le plan gratuit du cloud proposé par BlackView. Le petit bouton mise à niveau vous permet d'aller souscrire à un plan cloud un peu plus poussé, avec beaucoup plus d'espace de stockage, je suppose. Donc ça, c'est à chacun d'aller voir ce que propose BlackView comme plan. On peut cliquer sur mise à niveau, par exemple, pour voir un peu ce que propose. Voilà. Le free, ben, qu'est-ce qu'il comporte, le free? Enregistrement de caméra, live view 10 minutes par jour. Lecture et téléchargement de vidéos à distance 100 fois par mois. Voilà, stockage cloud, quand même 5 gigas. Voilà. Par contre, en smart, là, vous passez plus de stockage cloud, 5 gigas par caméra, jusqu'à 3 caméras. Et le live view, lui, il est illimité, contrairement au free plan, où on a vu qu'il était limité à 10 minutes par jour. GPS tracking, 7 jours. Période de stockage plus longue pour le téléchargement automatique d'événements. Voilà, 30 jours. Par contre, regardez, compatible avec ces deux modèles-là, la 650GW et la 650S. Voilà, donc on voit bien qu'avec ce plan-là, à 12 $ par mois, vous avez toutes ces options en plus. Donc à vous de voir si ça vaut le coup de mettre à niveau votre plan. Si le free vous convient, ben, de toute façon, en tout cas, vous pouvez commencer par le plan gratuit. Donc, Event Map, ici, il faut autoriser la position avec l'application Ventroux. Je fais autoriser. Prochain. Voilà, il va vous donner des localisations GPS sur les différents événements enregistrés. Prochain, les impacts, les positions GPS où ont lieu les impacts. Voilà. Et on peut filtrer, afficher les événements. OK, voilà.
là maintenant on va procéder à l'installation. Je retire l'opercule du double face. Donc le capteur ici où on passe la main pour activer ou désactiver l'audio, côté gauche, la connectique à droite et Blackview se lit dans le bon sens. Donc là j'ai décidé de me mettre plus par là à droite. Voilà, j'appuie bien et maintenant ça c'est réglable. Vous pourrez l'ajuster après via l'application Blackview. Ensuite, on branche l'alimentation. Et l'idée, après mon analyse, c'est de passer par là et de venir directement dans le plastique ici. Donc je prends la pièce fournie par Blackview et je force légèrement pour se cacher dedans. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur un Panamera, donc il faut y aller mollo quand même. Voilà. Une fois que je suis dedans, je continue. Je m'assure qu'il n'y a rien qui dépasse. Très bien, donc là, je suis arrivé dans le coin entre le plafond et le montant. Les montants en général, et même sur un Panamera, ça se déclipse gentiment, pas trop forcé. Et je vais essayer de rentrer, voilà, ici. Maintenant, c'est là que ça gêne. J'aimerais pas, voilà, je veux pas que ça dépasse, donc je le pousse à l'intérieur. Voilà, là il est bien caché, le fil a disparu. On a deux options, soit on longe jusqu'au coffre et on rejoint la prise allume-cigare qui est derrière, sachant que nous on va pas utiliser une batterie externe, soit je plonge ici, je descends, je vais me cacher derrière et je vais rejoindre le coffre ici de l'accoudoir central où il y a une prise allume-cigare. Il y en a une deuxième ici, donc le propriétaire du véhicule ne voit aucun inconvénient à ce qu'on aille sur la deuxième prise allume-cigare. On va juste avoir ici 4 ou 5 cm de fil avant d'accéder à l'accoudoir. Donc là, je longe le montant. Si vous voyez bien, j'ai de la place. Ce que je fais, c'est que je pousse le fil aussi vers le bas aussi pour qu'il rentre bien. Ça. Et là j'arrive à l'intersection pour aller où je peux aller. Là je l'ai. Ok. Voilà, j'ai réagrafé le plastique. Et là, le fil, maintenant, il est en dessous. Maintenant, il va falloir que je fasse du contorsionnisme, là. OK. Donc là, ce que je fais, c'est que je me cache derrière l'habillage qui se trouve derrière les pédales de frein et d'accélérateur. Et le but, c'est, ici, derrière ce plastique, de remonter discrètement. Voilà. Et là, on va pouvoir aller... Ici, vous voyez, ça s'écarte pas mal. Là, on n'est pas sur le même type de finition qu'au niveau des portières en haut. Voilà, là, on a aussi un habillage intéressant pour forcer un peu là. Si vraiment on est minutieux. Voilà. On continue à pousser le fil en dessous, derrière.
on va essayer d'aller au maximum. Là, vous voyez, j'ai même plus besoin de l'outil. J'écarte avec mes doigts. Ça fait le taf. Hein. Voilà, là, il est bien caché derrière. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je vais même venir. Voilà. Vous voyez, donc, il dépasse ici, mais sinon, tout le long, il est caché derrière cet habillage en plastique. On suit l'habillage en plastique, là. Ici, on est derrière le tapis. Derrière le tapis, là, on est derrière les pédales. On est aussi derrière le tapis. Voilà, là, on voit plus rien, c'est normal. Vous voyez, là, caché derrière le tapis. Et là, on est derrière les caches en plastique. Et on remonte. Voilà, tout est caché parfaitement. La caméra intérieure, je ne vais pas l'installer parce que mon ami ne la veut pas. Il veut juste la caméra extérieure. Sinon, ça aurait été très simple. Je raccorde ça à la Blackview et l'excédent de fil ici. Je le cache à l'intérieur de ma garniture. Et c'est tout. Je laisse le minimum de fil apparent pour brancher la caméra intérieure qui, elle aussi, est réglable. Et donc, vous pouvez la mettre où vous voulez, la caméra intérieure. C'est à vous de voir. Mais je ne vais pas l'installer dans les besoins de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez pu voir quand même que même sur un Panamera, installer une dashcam n'est pas si compliqué que ça. Il ne faut pas avoir de crainte, tout est facile, tout est faisable à condition de s'y prendre vraiment de façon méthodique et sûre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à activer le pouce bleu pour soutenir la chaîne du forum UberZone et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Que vous soyez bien installé dans le métier de VTC ou au contraire, si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très active depuis 2014 sur uberzone.fr. En attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.